Plusieurs fois inscrite et désinscrite sur la liste des affaires à l'Assemblée nationale, la proposition de loi portant statut de l'artiste du spectacle, des arts visuels, graphiques et plastiques, de la mode, de la publicité, du technicien et de l'entrepreneur culturel et artistique, initiée par le député Karel Motom-Mamouni, a été examinée et adoptée ce mercredi au Palais des Congrès de Brazzaville par les parlementaires. Cette loi confère aux artistes les meilleures conditions dans l'exercice de leur métier. La joie aujourd'hui, à cet instant, est une joie partagée, en même temps pour le Parlement, mais aussi pour le gouvernement. Il faut d'abord dire que nous sommes dans un moment particulier de l'histoire de notre pays où nous parlons beaucoup de la diversification de l'économie. Hier, on a vu la culture sous le prisme de sa valeur d'usage. Désormais, avec cette loi, on verra la culture dans sa valeur d'échange, c'est-à-dire la plus-value, c'est que désormais, les artistes seront véritablement considérés comme des travailleurs. Une grande première dans la 14e législature, cette proposition de loi venant du deuxième questeur de la Chambre basse du Parlement a recueilli l'assentiment des artistes et musiciens qui sont venus assister au débat en plénière. Le statut est passé. Et ça c'est un grand bonheur de vous, les artistes. Mais écoutez, nous sommes plus de 10 000 pratiquants de la culture. Comment vous ne pouvez pas intégrer plus de 10 000 personnes, des Congolais vivant ici et pratiquant une activité socio-professionnelle dans la société, dans l'économie et dans toutes les décisions afférentes à la vie de notre nation? C'était une injustice. Outre la proposition de loi désormais appelée la loi Motom, les députés ont aussi examiné et adopté au cours de cette même séance plénière les projets de loi autorisant les ratifications des accords entre le gouvernement de la République du Congo, de la République populaire de Chine, le Royaume de Belgique, le Niger et le Gabon relatifs au transport aérien.